De retour dans le coffre à versus, sixième épisode du coffre à versus avec aujourd'hui le tournoi de l'Evo Moment 37, la commémoration de l'Evo Moment 37 et nous sommes dans la grande finale du tournoi Surf Strike de ce tournoi de l'Evo Moment 37 qui oppose Innemo Ken face à Justin Wang. Chun-Li, un Ken Chun-Li somme toute assez classique, mais avec deux joueurs qui, eux, à mon avis, vous n'avez pas spécialement l'habitude de voir, sauf si vous avez, eh bien, je pense, l'habitude de regarder les tournois américains de Surf Strike. Très bonne punition, voilà, c'est un MP, vrai, vrai, une claque, deux claques, super. Et Justin Wong qui prend le premier match. Alors pour Innemo, ça va être quand même le challenge de ne pas se faire dérailler par Justin Wong. Ça serait quand même un peu dommage parce que Justin Wong, bien que ça a été un des plus grands joueurs de Surf Strike des États-Unis, c'est pas quelqu'un qui colle le jeu non plus à l'infini. En ce moment, ils ont que. Voilà, c'est pas son jeu de la vie. Mais bon, on disait pareil à 2X et à 2X, ça lui a pas empêché de tous nous bourrer. Bon, à chaque fois, il prend le god tier du jeu, mais il le joue particulièrement bien parce que je peux vous dire d'expérience qu'il suffit pas de prendre le perso le plus fort du jeu pour dérailler tout le monde. Ça, c'est pas le genre de truc qui suffit. Et force est de constater que Justin Wong s'en sort plutôt très très bien dans ce genre de. Enfin, dans ce genre de situation où il a décalé BMK, faisant un appel, je sais pas. Je sais pas si c'est un appel à quoi. Le décalage était beau. C'était peut-être un appel à la shop, il s'est arrêté juste avant la shop pour mettre Bamiyam Kick. Ou alors. Ou alors c'était un appel au contre ou un appel au coup. En tout cas, le BMK qui sort à une vitesse phénoménale. On a souvent tendance à dire que c'est un light avec les propriétés d'un médium, ce BMK. C'est un coup qui a quasiment toutes les propriétés de frame d'un light, mais qui a les propriétés de coup d'un médium. C'est extraordinaire. C'est vraiment le coup de la vie, hein. Le coup de la vie, hein. Meilleur coup de tous les temps jamais inventé dans le jeu vidéo. Avec l'arrière gros point de Chun-Li, je pense. Et le bas gros point de Blanca dans CVS2, on aura l'occasion d'en parler. Mais je pense qu'un jour, il faudra faire un top et un classement des meilleurs coups de tous les temps. Tout jeu de vidéo confondu, tout jeu de combat confondu en tout cas, ça va être extrêmement intéressant. Un coup de petite overhead, il est en train de vider la barre petit à petit. Et les gars, j'ai immédiatement arrêté avec l'arrière gros point. C'est plutôt tranquille, on va dire. Pour le moment, ça déroule assez facilement, assez aisément. On n'est pas dans la prise de risque extrême. Un très bon dash avant, shop neutral, avec uniquement deux hits de shop bien placés. Ça, swipe jump, juste pour se remettre dans le coin. Ça, c'est typiquement ce que je déteste dans la façon de jouer. C'est des sauts qui, à Surf Strike, n'ont pas trop de sens. Bien sûr, le jeu aérien a du sens si on est capable d'anticiper et de mettre des paris là-dessus. Sinon, le jeu au sol est largement favorisé. Alors bien sûr, au sol, face à Chun-Li, on a tendance plus ou moins à perdre. Mais avec Ken, il y a vraiment des solutions pour casser le jeu au sol de Chun-Li. Et là, Innemo les utilise vraiment pas. Évidemment, Justin Wong qui a plus besoin de cancel maintenant, en train d'utiliser le bas moyen point, qui va aller chercher un tout petit peu plus loin, mais qui n'est pas cancellable, pour aller casser, essayer de chercher les bas petits points qui, eux, vont juste gratter. C'est très difficile pour Innemo d'approcher et de saisir bon moment. Et il refait encore high jump. Tellement lent à faire ça, et vous êtes tellement gratuit dans les airs, que pour Justin Wong, il y a juste à faire un petit pas en avant, bas petit pied. Et voilà, 2-0. Très rapide, hein. Ça a été très rapide. Le laser du doigt de Freezer dans DB7 Burst Limit sur 360. Oui. Oh bah il y a des trucs. La flèche gelée de Green Arrow dans Justice League Task Force sur Super Nintendo. Hein, on peut aussi en parler. Un coup normal qui vous gèle et qui donne lieu à un infini. Voilà, c'est quelque chose de très très bien. La retransmission de l'Adrien à Quinter sur ESF4 que tu nous avais promis, c'est vrai, cette semaine si jamais t'avais oublié. Oui, je vous avais promis, mais par contre il y a marathon Pokémon, donc de toute façon je pourrais pas faire la retransmission en direct, c'est pas possible. En plus on a toujours aucune info quant au droit de retransmission donné par la DreamHack. Donc bon, nous on fait ce qu'on peut, hein. Mais après, si on nous répond pas et qu'on nous snob, eh bien les retransmissions, c'est quand même, ça va être quand même difficile. Donc il y aura encore du différé, à mon avis, sur la DreamHack Winter. Après, c'est pas la peine de poster deux fois les mêmes messages sur le chat. Je lis très bien un seul message. Pour Justin Wong, c'est très 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 facile, en tout cas, cette grande finale.
Nemo a beaucoup de mal à la venir l'approcher, à être efficace. Voilà, dash avant para. Dash avant chop arrière, la tentée overhead, mais Justin Moore a entièrement gardé ça. Et il a la super dans le tiroir, il a la super dans le tiroir. Et il se fait encore avoir par son high jump. Faut qu'il arrête de sauter, il me rend malade. Et puis là, il laisse complètement le truc. Justin Moore même lui manque de respect en allumant pas le kikoken avec une super. Après, il va tellement prendre cette. Il va tellement prendre ce point facilement. C'est juste trop trop chaud. Ça c'est bien trouvé. Et le time over, il donne eh bien il donne raison à Justin Wong. Balle de match pour Justin Wong. Easy but easy dans l'endormissement le plus total de l'audience. Mais on s'en fout. C'est la hype. Justin Wong va peut-être gagner et on va dire conjurer le sort 10 ans après, remporter le tournoi de commémoration. Ouais, encore une fois, belle ouverture de garde là-dessus. Et c'est immédiatement cassé. Soba MK, Bam K, gros point, gros point. Une bonne, bonne mise au coin, on va dire. Mais pour le moment, eh bien, Mnemo, à part avec quelques sauts comme ça, regarde, il est en train de sauter partout. Là, il a sauté. Il a le stick bloqué sur le bouton de saut. Ouais, pas de confirme de ce BMK par Justin Wong, mais je vois que c'est pas très très grave. Ouais, très bon farage qu'il a là-dessus. Allez, faut juste le presser, faut juste continuer à le presser. Voilà! Eh, hey, Shippuji Raikaku. Overhead. Bon, l'overhead est tenté, mais Justin Wong l'a cramé. Avec un très bon décalage chop là-dessus. Feinte de bas petit pied pour essayer de feinter le mythi. Il essaie de chop derrière, mais Justin Wong redéchoppe. Et attend le meilleur moment pour passer son BMK. Faut le tuer maintenant. Il y a la déchoppe quand même de Justin. Voilà, il est là. Ouais. Il a réussi à le tuer. Ah, je suis fatigué, Naughty, je suis fatigué. Je me défonce pour vous. Je me défonce pour essayer de trouver des trucs. Je me défonce pour faire des choses. Et bon, si vous avez envie de me cracher à la gueule, crachez-moi à la gueule. Mais bon, voilà. J'ai envie de dire, zut, il y a un moment ou un autre, j'essaye de faire tellement. Alors j'arrive pas à tout faire, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, si vous dire que je fais un fist à la communauté des jeux de combat, alors que voilà, j'ai réussi enfin à placer le coffre à versus régulier, que je fais des morts passants en vif, que j'organise des ligues de Ultra Street Fighter 4, que je vous retransmets quasiment tous les tournois de la Terre. Crachez-moi la gueule, allez-y. Voilà. Trouvez quelqu'un qui fait mieux que moi. Trouvez juste quelqu'un qui fait autant que moi pour la communauté des jeux de combat depuis si longtemps. N'importe quoi. Bref, il y a une tension assez intense hein, dans ce fin de match. Justin Wong a mis le gros point, il se retrouve au 0 digital. Mnemo veut juste l'envoyer le pari. Il aurait tenté le full pari. Il a dit vas-y, fais le full pari, mon gars, tu peux le faire. Tu peux le faire. Eh bien non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et il est démoli. Et Justin Wong remporte donc ce tournoi devant Alex Valle, qui se délecte du guac. Justin Wong qui est encore totalement invaincu. Alex Valle, James Chen, ils sont tous là à regarder encore une fois Justin Wong dominer la scène sur Strike. Alors, on me dit, il n'y a pas tout le monde qui est venu ici, mais c'est là. Non, Critique et Kappa, KNE fait des choses très très bien pour le jeu de combat, encore, entre autres. Ce qu'elle a fait notamment le tournoi du week-end dernier, les KNE sessions et tout ça. C'est des trucs complètement stylés qui rassemblent la communauté, et ça, c'est très 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 bien. On a compris que t'aimais pas jouer. Ah, je suis désolé, le tuto jury, je l'ai fait. Je l'ai fait complètement et je vous le prouverai incessamment sous peu. Voilà. On va passer donc au rematch de l'Evo Moment numéro 37. Daigo contre Justin Wong. Le Ken Chun-Li, le veut dire le remake absolu et total de la finale de la demi-finale de l'Evo 2.
2004. Ils sont de nouveau face à face. Ils n'ont pas joué depuis longtemps, mais force est de constater que Justin Wong est lui complètement chaud sur le jeu. On va voir si Daigo n'a pas perdu sa super. Mais voilà, c'est ça qu'on aimerait voir. Des petits décalages comme ça, des tensions avec Dawn derrière et bam 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 bam. Et la chaume pas dégâts maximum. Ils sont en train de profiter. Voyez comme ils profitent. Voyez comme ils sont en train de kiffer quand même ce genre de truc là. Évidemment qu'ils kiffent. Évidemment qu'ils kiffent. Oui. Alors la DreamHack, j'ai toujours dit on va faire tout notre possible pour vous rediffuser la DreamHack. Maintenant on n'a pas pu. Et puis voilà, point final. C'est tout. Oh, ce gros point, gros point, c'est Paris sur Paris. C'est pareil, à mon avis, ils vont nous mettre la banane sur la Capcom, sur le Capcom Pro Tour et la Capcom Cup. Je le sens gros, gros comme une maison. Après, moi, je peux rien faire. Tant qu'on, à mon avis, tant qu'on sera pas sur Twitch et qu'on balancera pas et qu'on basculera pas sur Twitch, on sera pas pris au sérieux. À très bon phare HP là-dessus, de bonnes punitions de la balayette dans la garde, entièrement unsafe. Voilà, c'est la Daigo qui a. Regardez le sourire qu'a Daigo. Regardez le plaisir qu'il prend à rejouer à Sir Strike et ce plaisir qu'il prend à rejouer ce match. Alors, on n'a pas vu encore Justin Wong tenter des supers sur le zéro de vital Daigo, mais on peut quand même avoir quelque chose. On peut quand même avoir quelque chose. C'est démoniaque en tout cas. Ils sont vraiment en train de je sais pas qu'est-ce que ça doit leur faire de rejouer d'essayer de rejouer ce genre de match là. On a très bon décalage de Justin Wong qui est juste feinté pour essayer de faire en sorte que Daigo essaye de taper pour parer et ensuite envoyer, eh bien, super. Bon, il rate son confirme là-dessus. Et encore bas petit point et bas MK, juste dans la garde de Daigo qui perd petit à petit de la vie. Avec quelques X-Led Oken, il essaie de pousser dans le coin. Seulement là encore, il fait l'erreur d'un saut qui ne touche pas. Heureusement, le bas moyen Shimpun Jiraikaku est là. Pousse le cadavre pour qu'il prend le pif de X. Spinning Bird à relever, ça c'est vraiment dommage. Il va se retrouver tellement bas en vie. Encore une fois repoussé par l'arrêt gros point et maintenu par Sten HP. Regardez, ça se maintient avec impossibilité quasiment de punir à cette distance là. Daigo qui est en grosse difficulté à présent. Et il essaye de gratter au BMK Hexadoken. Fait, il joue à la Evil Ryu. Mais il n'y a pas de focus là, Daigo. Ça ne sert à rien. À part faire quelques dégâts de grattage. De y aller comme ça. BMK pas confirmé. Mais encore perdu un peu de vie là-dessus. Décalage. Et le Stan MK qui passe juste au-dessous de Justin Wong. Et le premier set perdu par Daigo. C'est chaud, hein. C'est vraiment très très chaud. Alors mon starter pour Rosa, c'est vous qui allez le choisir, je pense, durant le marathon. Oui, non mais je vous dis, hein, moi je sais exactement ce que je fais, je sais exactement ce que j'essaye de faire, je sais comment je me défonce. Pour tout le monde là, actuellement, j'essaie de me défoncer aussi pour la communauté Smash, pour leur offrir des streams sur Super Smash Bros 4, voilà. Pour moi, ça fait aussi partie de la communauté des jeux de combat. Donc j'engage beaucoup de mon temps personnel pour essayer de faire des streams sur Gaming Live un peu inédits. Il y en a un justement à 20h, juste après ce coffre à Versus. J'essaie de négocier avec Kaoru, eh bien, les droits de retransmission des tournois principaux. À chaque fois, hein. On est même allé à la DreamHack pour négocier ça. Au zéro de vital, il a tenté, hein. Il a tenté, mais le full pari n'est pas sorti. Il n'est pas sorti de sa main. Il a juste guaqué un tout petit peu son adversaire. Ça fait balle de match pour Justin Wong. Oh là, il est en train de le repousser. Il passe un sale quart d'heure d'Aigo. Il est touché, sur touche. Un décalage BMK, pas de confirme quand même de Justin Wong qui aurait pu céder le match. Et qui va l'enchaîner. Hey. Oh, Kizem, c'est bien paré. Il y a qu'un dragon qui a touché un solide. Il n'a pas touché le solide. C'est le moyen point. Et son zéro vital. Il va peut-être refaire les beaux moments 36. C'est peut-être le moment. Et le tente. Et c'est fait. Eh bien voilà, le full pari Daigo, il l'a encore dans les mains. Même si ça l'emmène pas jusqu'à la victoire ici. Sten repied une deuxième fois avec le Hexadoken. Mais il rate le pari sur ce Hazanshu. Il rate malheureusement le pari sur ce Hazanshu. Mais il est encore dans ses doigts. Il est encore dans ses doigts. Regardez, alors ça part de là quand même. Ça part de ce dragon moyen point qui touche qu'un hit et qui ramasse pas parce que, eh bien, je sais pas, Justin Wong s'est positionné en position baissée, on ne sait pas. Et là sur les shops, il le tente. Et il a tout le temps pour le lancer. Et c'est parfaitement réussi. Et il y a le même combo, un saut gros pied.
Bah moyen pied dragon super. Il est quand même là. Là Justin Wong est complètement stun du coup à se prendre deux coups. C'est même Sen HK. Et là du coup c'est Daigo qui rate un tout petit peu et eh bien son follow-up avec le pari juste derrière. Mais il est quand même là. Il est quand même là. On va le dire, c'est comme le vélo, ce genre de truc là, ça ne s'oublie pas. Mais voilà, depuis le 1 et depuis 2004, Daigo a encore le full pari dans les doigts. Il ne l'a pas oublié et il le fait encore vivre. Et bien à tous les participants et à tous et bien ceux qui aiment encore et bien le jeu de combat comme ça. Vous voyez, c'est ce petit moment comme ça, ce genre de petit match qui ont une tension particulière. Victoire incontestable de Justin Wong dans ce match-là. Il n'y a absolument rien à dire sur sa victoire. Daigo est battu à plate couture. Comme d'ailleurs on m'a fait remarquer sur Streetcast, ça s'est très mal passé contre Alex Valle. Mais bon, j'ai vraiment l'impression que Daigo il est là vraiment pour prendre du plaisir, pour aller et bien retrouver la communauté avant et bien le gros sérieux qui est évidemment la Capcom Cup. Et en tout cas, eh bien, il en profite beaucoup. En tout cas, eh bien, si vous aussi, vous voulez essayer de reproduire l'Evo Moment 37, sachez qu'il y a un défi sur, bah, justement, cette version Sur Strike Online Edition, où le défi est à reproduire dans exactement les mêmes conditions. C'est, je vous assure, en fait, c'est pas excessivement dur dans le sens où on pourrait l'entendre. Hein. C'est vraiment une histoire de rythme. Hein. Si vous avez le rythme et que vous êtes régulier, vous allez y arriver assez facilement. Le truc, enfin, ce qui rend les mauvais moments 37 évidemment si unique, c'est le contexte, tout le contexte dans lequel tout ça a été sorti. Là, c'était beaucoup plus facile parce que la super était sortie d'une des shops et que du coup, sur une des shops, on a un freeze qui donne largement le temps de cramer la super. Super. Alors qu'il est au poil Sama, hein. Au poil Sama. En tout cas, c'est quand même très très appréciable. Allez, juste après la pub, je change mon layout. On fait deux pubs très rapprochées, comme ça on vous balance la max. Et ensuite, on peut se concentrer uniquement sur eh bien CVS2 et la finale de CVS2 qui a opposé bah, Justin Wong. Encore, vous savez, je crois que Justin Wong il était dans toutes les finales de cet Evo Moment 37. C'est lui, c'est chez lui, il lui arrive, il joue à tous les jeux, il fait finale. C'est comme ça, point final. C'est complètement garanti. Absolument et complètement garanti. C'est juste assez incroyable. Ouais, enfin bon, disons que c'est quelque chose quand même à faire. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, c'est ça, Daigo, c'est un peu le Roger Federer du versus fighting. Dans un sens, vous avez raison. Mais bon, c'est les anciens et c'est vrai qu'ils sont toujours à des niveaux assez exceptionnels avec un niveau de lecture. Mais dans un jeu comme Sur Strike, en fait, lorsqu'on joue un personnage comme Ken, c'est même le cas avec Yoon. C'est moins le cas, on va dire, avec Chun-Li parce qu'un joueur comme Justin Wong, il peut juste jouer Chun-Li avec l'appréciation de la distance, sa capacité de compte, sa capacité de réflexe à whiff punish et à mettre des counters et ensuite à confirmer eh bien, ce qu'il whiff punish et à contrôler l'espace. Chun-Li est beaucoup un personnage comme ça de footsie et de contrôle, alors que bah, des personnages comme Ken vont avoir besoin de mix-up, d'attaque, tout ça. Là où les joueurs de Chun-Li deviennent très forts, c'est quand ils mixent en fait toutes ces capacités de footsie avec les capacités de mix-up et on obtient des Chun-Li comme Emovi. Comme Ricky Maru, des Chun-Li complètement folles qui sont portées sur l'attaque et qui sont tellement forts. C'est un peu le coffre à Justin Wong. Allez, pause et on se retrouve juste après avec du CVS2 D44 Bass face à Justin Wong, encore une fois, qui a été impartial. Hein. Même sur CVS2, tu lui fais pas, il est encore extraordinairement fort. Et je dois bien nous l'avouer que c'est quand même assez impressionnant. De chaque fois retrouver ce joueur à un tel niveau. Il est partout, sur toutes les télés, t'allumes. Bah, c'était comme au Stunfest, toutes les télés, il y a Justin Wong. Justin Wong is everywhere.